Salutations, salutations. On est dans, sur le jeu Kirikou, qui date d'il y a longtemps. C'est un jeu quand j'étais gamin. Là, c'est la démo. Dès que la démo sera passée, je reprendrai le contrôle pour vous faire une petite session. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je ne joue pas forcément. C'est plus facile quand on y joue. Mais on va commencer. Je m'appelle Kirikou. Ils sont pas aussi bons que mais bon. Lave-moi. Un enfant qui s'enfante lui-même se lave tout seul. Bah ouais, Kirikou, débrouille-toi pour te laver tout seul. Évite de te noyer. Ne gaspille pas l'eau. Karaba la sorcière a asséché notre source. Ah la méchante. Il est allé combattre Karaba la sorcière. Mère, où sont les frères de mon père? Ils sont allés combattre Karaba la sorcière. Et elle les a mangés. Mère, où sont les frères de ma mère? Ils sont allés combattre Karaba la sorcière. Et elle les a mangés. Seul le plus jeune est resté. Sur la route des flamboyants, allant combattre Karaba la sorcière. Alors, je dois aller l'aider. Le gamin a quoi, 2-3 ans? Il dit, oh tiens, j'allais aider mon oncle à combattre une sorcière qui a bouffé la moitié du village. Je pense que c'est une très bonne idée. Alors, comment on saute déjà? C'est quoi déjà pour sauter? Entrer sans sauter, d'accord. Déjà, comment on frappe? C'est quoi le bouton pour frapper déjà? Ah, donc là c'est frappé, voilà. Ce que je lui ai dit, Isabelle, j'ai pas un jeu de tout le temps. Allez, prends-toi ça pour tomber la biche. Ah, tu es mort. C'est tout le respect. Allez. D'accord, et là maintenant je récupère les bulles, je retourne ici.
Comment je monte là? Ah oui, faut que je retourne sur le toit de la maison. Quand je vous dis que je suis un peu rouillé, je suis un peu rouillé. En même temps, ça doit faire 10 ans que j'ai pas joué un truc comme ça. De l'eau, je veux de l'eau, je veux de l'eau, je suis... Aïe! Je me suis fait... Allez, je frappe à coups de... Allez! Bon, j'ai perdu mon bâton. Allez, quand tu te fais cogner par un fétiche, tu perds ton bâton. Attends, d'abord, je vais... Non, je voulais d'abord aller récupérer les l'eau là-bas. Allez. Je vais récupérer un bâton. Venez tâter mon bâton. Allez. Bonjour la guêpe. Par contre, elles sont énormes ces guêpes. Elles font la taille d'un bébé. Non! Merde, enfin je recommence. Parce que j'ai raté tous les coups de tous les vies. Mais j'ai trouvé mon grand papa. Bonjour, Kérikou. Salut, mec. Je vais t'enseigner ma double saut. On a trop le papy de faire des démonstrations de double saut, le vieux qui fait bouh, bouh, regarde, je saute! Voilà, je clique deux fois sur le. Et donc maintenant, je peux récupérer plus d'eau, enfin, si j'y arrive. Voilà, comme ça. Et puis, t'as mon père, en fait, sur le point, si je me rappelle bien, il arrête pas de spawner à différents endroits de la partie. Donc, en fait, t'as le vieux qui te suit tranquillement. Donc, en fait, cette aventure, c'est l'aventure d'un bébé et d'un vieil arsénite qui vont affronter une sorcière bouffeuse d'hommes. Voilà. Bon, il y a quand même des gouttes d'eau qui sont chaudes à récupérer. Qui c'est qui fait voler des putains de gouttes d'eau dans les airs? Sérieusement! Je vole! Enfin, bon, tant pis, au pire, hein, c'est gouttes d'eau. Ah, donc, je vais retourner à l'intérieur parce que j'ai raté des couteaux et tout. Et donc, maintenant, je peux pas se monter directement là. Il me semble qu'il y avait un truc pour courir. Il y a un truc pour courir, non? Merde, j'ai plus de son. Ah si, j'ai du son. J'ai vu qu'il n'y avait, avait pas de musique dans ce jeu. C'est, ça voit que c'est un vieux jeu parce qu'il n'y a pas de musique. Voilà, allez, j'ai un couteau. C'est le luxe, c'est le luxe. J'ai un couteau en pierre. Craignez-moi, bande de monstres. Bon, j'ai raté la vie, mais j'ai un poignard maintenant. Allez, j'y retourne pour récupérer la vie. Et ensuite, on pourra enfin avancer, les amis. Allez. Et je sais pas si vous aussi, vous avez joué à ce jeu quand vous étiez gamin. Mais, ouais. En tout cas, moi, j'en ai été fan quand j'étais gamin. Après, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de musique, déjà, ça vieillit un peu le jeu. Pareil à maintenant. Non, la vie, prends la vie, prends la vie. Oui, j'ai la vie. C'est qui le meilleur? C'est Florian. Allez, puis maintenant que j'ai un poignard, je vais tous les défoncer, les trucs là. Les... Allez, one shot. Qu'est-ce qu'on dit, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On respecte ou on respecte pas? Et je fais pousser un arbre en passant. Et j'ai des pouvoirs magiques, les gens. C'est moi la sorcière, en fait. Je suis la réincarnation de la sorcière. Donc c'est bon, j'ai pas besoin de sauter pour trouver les bouches. D'accord, avant de monter par là, il faut que je descende. Ah oui, d'ailleurs, mais j'ai oublié des trucs. Faut que je revienne. Maintenant que j'ai le double saut, il y a des trucs que je peux récupérer que j'ai pas récupéré encore. Parce que... Donc, attendez, je fais un retour en arrière. Vous, je saute. Je suis un caribou, je saute. Bouh, bouh.
Bah non, mais si, j'ai des boules d'eau que j'ai pas récupérées, je crois. Non? Tu vas faire le double d'eau aussi? Non, ça suffit pas. Non, c'est pas grave. Je crois que c'est ici que je peux monter avec le couteau. Bon, par contre, ce couteau, ça me sert à rien de le récupérer, tant que je suis déjà full couteau. Donc il y a peut-être quelques problèmes de compatibilité qui n'aident pas forcément. Donc là il y a un truc qui me tombe dessus. Non mais oh, faut pas me chercher moi. Tes robots. Bonjour mon oncle, je suis là. Kirikou, ton neveu. Et ça, il faut la... Kirikou, tu es encore trop petit. Pour devenir un grand guerrier, trouve les apparitions de ton grand-père cachées sur ton parcours. La première est à l'intérieur du grand baobab, à la sortie du village. Maintenant disparaît, petit. Mais oh, 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 tu vas où? Tu vas où, tonton? Tonton, t'es où? Tonton, il a disparu. Mais comment il a fait? Il est passé à travers le mur. Il est passé à travers le mur. Tonton est passé à travers le mur. Mon tonton est un fantôme. Oh mon dieu. C'est un coup de carabas, ça va être une... Ou alors j'ai pris de la drogue, possible. En fait, les bulles d'eau que je récupère, c'est de l'alcool, en fait, je suis bourré. Je suis un bébé bourré. Non, j'arrive plus à monter sur l'arbre. Bouh, 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 je saute, j'aime sauter. J'aime pas les gars. Ah oui, la main paix c'était tendu ici. Parce que là, il faut que tu sautes sur la guêpe. Ah non ! Merde, en plus, j'ai perdu tout mon bâton. Donc, faut récupérer les bâtons. Faut que je refasse le plein de bâtons. Avant d'y retourner. Donc, oui. Donc, faut réussir à sauter sur la guêpe jusqu'à la tuer, mais sans tomber dans le précipice qui est dessous. C'est assez tendax. Je vous l'avoue que c'est assez tendax. Là-dedans, il y a des couteaux, donc je vais aller les chercher. Sachant qu'il nous faut full là, full couteau. C'est même pratique. Ouh, je retourne. Non, mais oh. On va pas se laisser faire, non, mais on va pas se laisser faire par un gouffre. De 3000 km de profondeur. Je vais voir la savane qui s'étend à l'infini derrière moi. L'avoir à coup de... Ouais, faudrait que... Non, elle arrive pas. Putain, je me frappe au bon moment, quoi. Non, elle est trop... Non. Je stresse. Putain, le stress, tu. Putain, je. Non! Non, non, non. Ouh, c'est bon. Ouh, je l'ai eu. C'était facile pourtant quand j'étais gamin. Mais... Il est complètement rouillé. Voilà. Bon. Je suis sacrément rouillé quand même. Putain. Bon, j'ai passé les gouffres. Ça me faisait assez énormément les gouffres. Une chute était one shot quoi. Et que, pourquoi tu voles, papy? Pourquoi tu voles? T'as pris de la... Je vous dis, j'ai pris de la drogue, je vois des... Les fantômes de mon oncle et de mon papy.
Et en plus, il y a des oiseaux qui chantent ton nom. Bonjour, Kérikou. Oui, je vais t'enseigner le saut d'ornade. Donc j'appuie quand je frappe, quand je frappe. D'accord. Donc... Mais comment ça marche? Appuyez sur le 8. Ah, le 8, d'accord, ça consomme mon énergie, ma barre de mana. Ok, ok. Putain, dégueu. Saleté. Pourquoi les simples robots au gap, c'est pareil, quoi. C'est chouette, une gap. Allez. T'es pas ou toi? Attends, oui, j'ai oublié un truc. Là, ouais, il y a un léger truc. Oups. Ah, mais non, foiré! Mais, oh! Lui, il me touche! Putain, j'ai été désarmé par ce con. Non, mais, oh! Ça va. Non, j'ai une bulldog qui m'a échappé. Donc là, j'ai l'impression que... Ah, ouais, juste... Mais non, mais merde! Ah, mais il me tombe dessus! Monsieur l'arbitre, monsieur l'arbitre, je pouvais rien faire, là, monsieur l'arbitre! Je demande l'arbitrage vidéo! T'as comme la guêpe, elle se prend un bébé dessus et elle s'en fout complètement. Il en faut 3 pour qu'elle ait mal. C'est plus une guêpe, c'est une. Et puis comment elle arrive à rester à continuer de voler avec un bébé qui lui saute sur le dos, elle doit tomber. Comment ça, j'ai réussi à me réarmer. Non, va chercher les bubules, va chercher les bubules dans la caverne. Mais... T'arrives plus à sauter assez haut. Ok, bon, tant pis, on s'en fout. Donne-moi. Maintenant. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi cette robot à avec des couteaux? Elle va me prendre par derrière, c'est ça? Mais t'as même là. Oh. Je vais pas me laisser embêter par une bonne femme robot quand même. Qu'est-ce qu'il y a des trucs à aller chercher là-haut? Je vais voir. Je saute et je saute et je saute comme un Kirikou. Donc j'ai vite un couteau, mais vu que je suis full couteau, on s'en fout. D'accord, et comme je suis allé passer par dessus d'abord, il est tombé, il pourra pas tomber dessus. Ah, tous les temps de la muscade. Eh ben non, c'est raté pour toi. Un peu de respect, s'il vous plaît. Ah, mais... Ouais. Mais non, mais
J'ai perdu toutes mes armes dans l'opération, mais c'est n'importe quoi. Allez. Non, mais... Ah, il m'a tué, le con. J'ai mis un couteau aussi, ici. Ça, je vais être à nouveau full couteau. Voilà, un beau poignard. Ça va les calmer, ces petits cons. Ça va, ils réapparaissent pas. Toi, ne me déplace pas, laisse-moi te tuer, ce connard. Je tombe dans un trou. J'ai pris beaucoup d'eau. Il faut un nom de carabas dedans. C'est bon, c'est fini, cette caverne est finie. Il y a autant de cavernes en Afrique? Je me le pose la question. Il y a vraiment autant de cavernes en Afrique que dans ce jeu. Donc, globalement, après ce que j'ai compris, il faut l'attaquer par derrière. Voilà. Ah, des bulles d'eau, des bulles, donnez-moi les bulles, je veux des bulles. J'ai fini le niveau du village. Je ferai aussi le niveau de la savane et puis je vous laisserai pour aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez en voir d'autres. Ah oui, il faut avoir tout pour faire les niveaux bonus. Ouais. Je suis heureuse de te voir, mon fils. Salut, maman. Je te donnerai une vie contre 200 gouttes d'eau. Tu peux aussi donner de l'eau aux écureuils. Si tu es chanceux, ils t'en rendront le double. Il n'y a pas assez d'eau pour que je te donne une vie. Mais les écureuils peuvent sûrement t'aider. Les écureuils, ça sent que c'est 50. Ma théorie ne fonctionne pas. Donc j'aurais... Fallait tester la théorie. Donc maintenant, il faut que je retourne à 200 pour récupérer... Ah, petit con. Allez. Non. Le peu d'eau que tu as s'évapore déjà. Tant pis. Fallait que je teste la théorie. Au revoir, Kirikou. Oui, je vais sauvegarder. Et je vais jouer à Savane. Bon, je saurai la prochaine fois. Si j'avais su, j'aurais eu une vie de plus. Mais bon, c'est pas grave, j'ai 6 vies. Ça devrait faire l'affaire. Tu n'es pas là pour regarder les oiseaux. Occupe-toi de Kirikou. Oui, maîtresse. Est-il sorti de sa case? Normalement, on a censé avoir une image. Oui, vénérable maîtresse. Il est sorti du village. Continue à le surveiller. Et ne te laisse pas distraire stupidement. Ok. Bon, on n'a pas eu d'image pendant la cinématique, ce qui est tout ça votre... Vous dites le... Tu n'es pas là pour regarder les oiseaux. Occupe-toi de Kirikou. Oui, maîtresse. Est-il sorti de sa case? Oui, vénérable maîtresse. Il est sorti du village. Continue à le surveiller. Et ne te laisse pas distraire stupidement. Ah ouais, elle me rappelait de ces cinématiques qu'il y avait entre les niveaux. Par contre, comment elle sait que... qui s'appelle Kirikou. Enfin, pourquoi elle demande de surveiller Kirikou? Elle le connaît pas encore. C'est un bébé qui vient de naître. Il a décidé de partir à l'aventure, mais d'où elle le sait? C'est vrai, ça. C'est une question... Ouais, en général, c'est une sorcière. Elle a des dons de vision et tout. Et tout. Ok. Bon, allez, on y va. Oh mon Dieu! Tonton, je pensais que tu étais mort! Tu vas renverser tous les fétiches pour atteindre Karama, la sorcière. Moi qui ai encore des visions. J'ai encore des hallucinations.
La barre rouge en haut de l'écran se remplit de magie à chaque coup porté sur un fétiche. Tu peux utiliser cette magie pour courir plus vite en appuyant sur R. Maintenant, disparaît petit. Appuyant sur R, je vais essayer. Non, là j'appuie sur R, ça fait rien du tout. Ok, donc là il faut que je prenne le... Bon allez, Kirikou, prends le truc, merci. Petit con. Non. C'est bon. Allez, crève, connard de fétiche. Allez, toi aussi. Tremblez devant ma puissance supérieure. Oula, attention. Wouhou, ça c'est beau. Double one shot, double shot. Oh, c'était bien, je me rappelle de celui-là. Faut que j'attaque par derrière. Allez, j'ai encore quelques souvenirs du jeu. Donc là, je crois que pour l'instant, j'ai pas tout ce qu'il faut pour attraper les bulles. Je crois que c'est dans ce niveau que tu gagnes le chapeau. C'est beaucoup plus pratique pour attraper les boules, le chapeau. Ça te permet de ralentir ta trajectoire et de ralentir. Ça permet de tout avoir d'un coup. Kirikou est petit, mais il est notre ami. C'est bon, je te les ai eus. J'ai eu les bulles. Ouh, t'étais bien caché, petit con. Je crois que quand il me faudra attendre d'avoir le chapeau, je crois que oui, il y a un moyen de les récupérer. Donc on va. Allez! Allez, t'es mort! Là, il faut que je me baisse. Comment j'avance? Ok. J'essaye d'avancer en baissant. Merci! Ça marche pas. Ça... Pourquoi ça marche? Voilà, un bouclier. Voilà. Kirikou, Kirikou, Kirikou. C'est ce que je te dis. Attends qu'il est fini. Et là, comment je fais pour creuser? Il y a le grand-père là. Peut-être que c'est le grand-père qui va apprendre comment on creuse. Parce que j'ai un truc pour creuser, mais j'ai oublié. Merci. Kirikou, Kirikou, il n'y a plus de musique en plus là. Musique, musique, où es-tu musique? Mais t'es où? Mais t'es pas là. On a vous qui a volé la musique du Kirikou, hein? Kirikou, 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 contrôle-toi! Non mais... D'abord, faut que j'apprenne le chapeau pour faire ça, je crois. Et le chapeau, il est là! Kirikou! Pourquoi des oiseaux chantent mon nom? Bonjour, Kirikou. Comment utiliser le chapeau de ton nom? D'accord. Ok, ok. Donc, c'est. Le chapeau de mon oncle. D'où j'ai récupéré le chapeau de mon oncle? D'où? Là, je remonte. Et voilà. Non, je me suis chié. Voilà, c'est le 6. Je me trompais de bouton. Si je n'appuie pas sur le bon bouton, ça va moins bien marcher. Non ! Non, merci, merci, petit con.
Comme ça, ici, je peux récupérer la vie qui est là. Là, j'ai 7 vies. C'est un peu le respect, vous avez vu. Là, je me remets droit avec le truc. Wouh! Et ah oui, là, il faut que je remonte sur le... Il faut que je refasse. Donc là, il faut que je remonte là-haut pour m'arrêter à cet arbre-là pour pouvoir récupérer les dernières bulles. Ah oui, oui, hein, il faut de la technique. Hein. Il faut stratégier le jeu. C'est pour les hard gamers, Kérik, je vous dis. Ah! Putain, mais... Ça n'a aucun sens, je saute dans tous les sens. Merci. Non ! J'ai raté la bulle ! J'ai raté la bulle ! Bon, tant pis, pour une bulle d'eau, hein, on va pas traîner pendant 3000 ans pour une seule bulle d'eau ! Non plus ! Par contre, je sais toujours pas comment on creuse... Le bon grand-père pour savoir creuser, on dirait. Non, j'en ai raté une. Je crois qu'il y a un moment où j'ai raté. C'est ça. Ça, tu as raté une bulle d'eau. Ah, tu croyais m'échapper, petite conne. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. J'avais Kirikou qui frappait tout seul alors que j'appuyais pas sur 4. Hop là! Pas si haut, s'il te plaît. Oula, là c'est tendu. Non, ça permet juste de recommencer. Oula. Oui, c'est vrai qu'il y avait les rochers qui tombaient. J'ai raté le bulldo. Grave. On va y retourner. Ah, il y a aussi celle-là à les récupérer, ces bulldo. Allez, on y retourne, mais on va les avoir, les bulldo. Les bulldo ne m'échapperont pas. J'aurai toutes les bulldo de la planète. Raté. Putain. Vous croyez m'avoir comme ça, bande de cons? Allez, on se concentre. Ah, non, oui, d'accord, il faut traverser tout le truc pour essayer d'avoir pour aller jusqu'au grand-père. Pouh. Bon, moi, j'ai les bulles d'eau, maintenant. J'ai plus qu'à... Non ! Ah ! Oh, putain. Le challenge du Kirikou ! Kirikou. J'apprends quoi, à creuser là? Bonjour, je vais être l'attaque du chapeau. Non, donc je fais chapeau en appuyant en bas. D'accord, mais je sais toujours pas comment on creuse. What? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon? Parfois des petits bugs de jeu.
Allez, une caverne. Et le projet étant vieux, il a un peu bugué. Il vient de mettre des... Ouf, il est chaud. Oula ! Non ! Putain de salope ! Aïe, putain, je me suis fait avoir comme une merde. Aïe, aïe. Ah, c'est con. Putain, aïe ! Merde ! Ça va être chaud de le faire à main nue, celui-là. Je crois que celui-là, il est dur. Voilà, lui, il est dur à tuer. Alors, à main nue, ça va être... Je crois que même avec un poignard, il faut plusieurs coups. Alors, t'imagines, à main nue, avant de l'envoyer, ce con. Le plus long combat du monde. Putain, je me suis fait défoncer par les rochers. C'est l'humiliation la plus absolue. Bon. J'avance quand même. Vérifions, j'ai rien oublié. Hop. Non! Putain, ce... Putain, faut que je recommence tout! Ah, espèce de petit con. Pour moi... Non! Putain de ta mère! Ah oui, il y a un couteau à aller récupérer là-bas. Non! Au moins, les rochers, c'est passé. Bon, j'ai perdu une vie dans les sphères, mais bon, j'ai quand même gagné deux vies dans ce niveau. Manque une seule pour l'instant. J'ai gagné une ou deux vies, je sais plus. Je sais plus. Mais bon, allez. Maintenant, vous allez moins faire les malins. Allez. Oula. Les malins, moi, que j'ai un couteau, bande de cons. Et je récupère une vie, donc j'y gagne quand même. Allez, oui. Ça, les vies, ça monte. Allez, je suis rentré dans la bouche. Ouais, ça fait vraiment une tête, là. Et je fais pousser un arbre, encore. Logique. Soignard. Attendre qu'il se retourne. Putain. Putain. Toutes mes armes dans l'opération. Allez, non mais enfin un couteau, une arme correcte. On a quand même des affaires d'ennemis de plus en plus puissants. Attends. Ah, j'ai trouvé le bouton pour courir. D'accord. Mais c'est même pas le bouton, c'est pas tout le bouton qui disait, tu vois. J'ai découvert le bouton pour courir sans faire rien parce que le bouton qui disait ne fonctionne pas. Ah oui, il faut que je monte là-dessus. Sur ce tronc d'arbre géant. Non, on dirait c'est des baobabs, certes. Mais moi, je suis un bébé, donc j'ai envie de voir sa tête cohérent. Par contre, la taille de ces gaines n'est absolument pas cohérent. Elles font la putain de taille d'un bébé. Putain de ta mère. Ah, mais oh. J'ai arrêté de prendre mes armes, et là en plus je ne sais pas creuser.
vérifier, mais le bouton pour creuser ne fonctionne toujours pas. Donc là, je suis à genoux. Faire une combinaison de boutons, je sais plus du tout comment on fait pour creuser. Mais je crois que c'est en plus c'est le grand-père qui te l'apprend pour creuser. De plus en plus haut. C'est bon. Ouais. Putain de saloperie. Non! Bon, heureusement, je peux remonter tout le monde. C'est bon, je suis à nouveau un peu armé, mais je galère! Ah! Le niveau est bientôt terminé, c'est déjà ça. Le Kirku va tellement avoir des problèmes au cerveau à force de faire de sauter dans tous les sens sur des putains de tambours. J'appuie sur tous les boutons, je sais plus ce que je fais! C'est bon. Putain! Ah oui, là, si t'arrives à creuser, tu arrives, tu sors par là. Sauf que je sais toujours pas comment creuser. Il fallait le faire plusieurs fois pour pouvoir le terminer. Donc je vous termine cet épisode. Enfin, d'abord je récupère des vies. Je suis heureuse de et des écureuils, enfin des gouttes d'eau. Je te donnerai une vie contre 200 gouttes d'eau. Tu peux aussi. Ta maman, une mère, ça te donne la vie une fois. La maman, elle peut pas te sortir des vies comme ça avec de l'eau. Ou alors elle est magicienne elle aussi pour transformer des putains de. Allez. Non, fils de pute! Ta mère! Allez, ta mère! Allez pour la France! Oui! Victoire! Au revoir, Nico. Ok, je vais en terminer pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu ce petit let's play souvenir Nawak sur Kirku. Et puis voilà, si vous en voulez d'autres, dites-le en commentaire. Je verrai si je termine que je retermine ce jeu. Parce que maintenant ça fait plaisir d'y rejouer. Donc voilà, je pense que je vais le terminer. Donc au revoir tout le monde.